وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد Serviteur d'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets dans Sourate An-Nisa. Il vous a été pourtant révélé dans le livre que quand vous entendez les gens renier les signes d'Allah ou bien s'en moquer, alors ne vous asseyez pas avec eux jusqu'à ce qu'ils parlent d'autre chose. Sinon vous êtes comme eux. Dans Sourate Al-An'am, Allah ta'ala dit dans le sens des versets, et quand tu vois ceux qui pataugent et qui s'égarent dans nos signes, dans nos versets, alors détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils parlent d'une autre discussion. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique que l'imam muslim a rapporté dans son introduction de son sahih. Il va y avoir des gens dans cette communauté qui vont vous venir avec des choses que ni vous ni vos parents ne connaissez faisant partie de votre religion. Alors faites attention à eux et gare à eux du châtiment qu'ils vont subir. Imran ibn Hussein, radiallahu anhu, a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Celui parmi vous qui entend que le faux Messie est sorti, alors qu'il s'éloigne de lui tant qu'il peut, car la personne va venir le voir en pensant qu'il a la foi forte et qu'il est croyant, et il ne va cesser de l'écouter et de le suivre jusqu'à ce qu'il va lui ancrer ses choses équivoques et ses maladies dans son cœur. » Ce hadith, il est apporté par l'imam Ahmad et Abu Dawood, et il a été authentifié par l'imam Al-Albani, rahimahumullah, jami'an. L'imam Ibn Battah, rahimahullah, un des imams de la Sunna, a rapporté ce hadith dans son livre Al-Ibanatul Kubra, et il a donné une explication. Dans quel chapitre il a rapporté ce hadith? Le chapitre de la mise en garde de tenir compagnie aux gens qui rendent les cœurs malades et qui corrompent la foi. Puis il a dit, après avoir cité ce hadith, ceci est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui le véridique et le digne d'être cru. Alors, je vous demande par Allah, ô vous les musulmans, que l'un de vous ne se fasse pas tromper par la bonne opinion qu'il a sur lui-même et sur le fait qu'il sait qu'il est sur un bon chemin, pour mettre sa religion en danger en s'asseyant avec les gens des passions. Alors il dit, Ibn Battah, il parle de cette personne qui s'assoit avec les gens des passions. Je vais entrer le voir pour polémiquer avec lui, pour enlever sa mauvaise croyance, pour le convaincre. Puis il reprend, rahimahullah, leur tentation est plus dangereuse que le Dajjal. Et leurs paroles se collent au cœur. Et leur tentation est encore plus brûlante que le feu. Puis il finit, j'ai vu un groupe de gens qui maudissaient les gens de l'innovation et les gens des passions, qui les insultaient. Puis ils se sont assis avec eux pour les réprouver ou pour leur répondre. Et en s'asseyant avec eux, ils n'ont cessé de prendre leurs aises. Et les gens des passions ont pris leurs aises et ont donné des belles paroles jusqu'à ce qu'ils les aient attirés à eux, jusqu'à ce qu'ils soient tombés avec eux dans leurs égarements et dans l'innovation. Une personne est venue voir Anas ibn Malik, radiallahu anhu, le compagnon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été à son service 10 ans. Il lui a dit, « Oh Abba Hamza, j'ai rencontré des gens qui démentent dans l'intercession et dans le châtiment de la tombe. » Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit Anas ibn Malik? Voilà les menteurs, ne t'assois pas avec eux. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma a dit, ne t'assois jamais avec les gens des passions, car s'asseoir avec eux rend malade les cœurs. Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah a dit, ne t'assois pas avec une personne de l'innovation, car j'ai peur pour toi que la malédiction d'Allah tombe sur toi. Il a dit ça à partir d'où? À partir du verset que l'on a lu au début de la khutbah. Car Allah Ta'ala a dit, car si vous faites cela, vous êtes comme eux. Écoutez celle-ci. De l'Awza'i, l'imam Al-Awza'i, rahimahullah.
Un homme lui a dit, moi, je m'assois avec tout le monde. Je ne fais pas de différence. Je m'assois avec les gens de la sunna, je m'assois avec les gens de la bida. Hein. Ou alors, quelqu'un a rapporté ça à l'imam al-Awza'i. Je connais un homme qui dit cela. Je m'assois avec les gens de la bida, de la sunna, et je m'assois avec les gens de la bida. Moi, je m'assois avec tout le monde. Alors, l'imam al-Awza'i, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, voilà une personne qui veut rendre égale la vérité et le mensonge. La guidée et l'égarement. Serviteur d'Allah. Comme nous avons vu, et ici c'est un résumé, il y a des livres entiers écrits sur ce sujet, qui sont basés sur des versets du Coran, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la compréhension des sahaba, leurs paroles, et la pratique des tabi'in et des grands imams de l'islam, qui mettaient en garde contre le fait de s'asseoir, d'écouter, de donner de l'importance, ou de défendre quelqu'un de l'égarement. Et ceci va du mécréant qui met des doutes sur l'islam jusqu'au musulman innovateur qui met des doutes sur la sunna ou bien sur la bonne voie ou le bon chemin à suivre. Ils sont tous dans le même groupe. Tout cela, Allah nous a interdit de s'allier avec eux, de les aider, de les défendre, de s'asseoir avec eux, de les écouter, de leur donner de la valeur. Et même l'imam Sabouni a dit... Et les gens de la sunna adorent Allah en les détestant. Et ils ne leur prêtent jamais oreille. Car s'ils leur prêtent l'oreille, ils ont peur que leur cœur soit touché par leur tentation. Ceci les imams de la sunna. L'imam ibn Sirin, Mohammed ibn Sirin, le tabi'i, le jalil. Une personne de l'innovation est venue lui voir et lui dire, je vais te réciter un hadith. Il a dit non. Il a dit un verset du Coran. Il a dit non, j'écoute pas un verset de toi. Un verset du Coran, je l'écoute pas de toi. Quand ils sont sortis, un de ses compagnons lui a dit, le Coran, pourquoi tu n'écoutes pas le Coran de lui? Il a dit, j'ai peur qu'à un moment ou à un autre, il mette une parole ou une chose où il dévie, et cette chose, elle rentre dans mon cœur et je m'égare. Mon cœur n'est pas dans mes mains. Quand ils entendaient les gens de l'innovation même réciter le Coran, ils se bouchaient les oreilles et ils partaient. Alors, je veux interpeller mes frères et mes sœurs ici, en France, dans ce pays non musulman, où il y a, que ce soit à la télévision, ou sur Internet, ou dans les sites Internet, ou sur Twitter, ou Facebook, dans tous les moyens de communication, ou sur YouTube, des gens qui mettent des doutes sur l'islam, et qui ramènent des arguments contre l'islam. Ou bien, des musulmans innovateurs, qui viennent émettre des doutes sur la sunna, et attaquer les gens de la sunna. Les gens qui s'attachent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens du hadith, et ils les appellent par tous les noms. Comme on va le voir, ce n'est pas nouveau. À l'époque, l'imam Shafi'i et les grands savants, les innovateurs, ils disaient, ah ça c'est les savants qui, leur science, elle ne sort pas du pantalon des femmes. C'est-à-dire, ils ne parlent que de menstrues, etc. Et aujourd'hui, à cette époque, il y a des gens qui étaient en France, ils ont dit la même parole, plusieurs fois sur les savants de la sunna. Les gens de la bid'a ne font que répéter les mêmes arguments, l'un après l'autre. L'imam Sabouni va rapporter, comme on va le traduire, Inch'Allah, que les gens de l'innovation appellent les gens de la sunna les littéralistes, ceux qui prennent les textes dans leur apparence. Déjà à l'époque, ils appelaient les gens de la sunna de cette manière. C'est pas nouveau. Alors, quel est le comportement que l'on doit adopter? Le comportement qu'Allah nous a ordonné. Que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné. Que les sahaba ont adopté et ont ordonné. Que tous les imams de l'islam ont adopté et ordonné. On les déteste pour Allah. On ne s'assoit pas avec eux. On ne les écoute pas. On ne polémique pas avec eux. On ne les défend pas. On ne leur donne aucune importance. Pour préserver notre religion. Rappelez-vous le nom du chapitre qu'Ibn Battah il a donné. Le chapitre de la mise en garde de s'asseoir avec ceux qui rendent les cœurs malades et qui corrompent la foi du musulman. Alors je vois aujourd'hui, et ça c'est une maladie peut-être de cette époque, ou je ne sais pas si c'est propre à la France, je ne pense pas, beaucoup de gens qui ont une confiance exagérée sur leur propre personne. Ah, moi je connais, moi je différencie, moi je peux écouter tout le monde, moi je peux m'asseoir chez tout le monde, moi je choisis. Les savants, ils ne le faisaient pas. Les savants, alors qu'ils reconnaissent entre le faux et le vrai, entre la guidée et l'égarement. Et les ignorants qu'on est, on veut le faire,
On veut écouter tout le monde. Après, on se demande pourquoi on est égaré, pourquoi on est malade. Alors qu'on achète l'enfer de nos propres mains. Il y a des signes apparents des gens de l'innovation et des signes apparents des gens de la sunna. Parmi les signes apparents des gens de l'innovation, comme a dit Abu Hatim al-Razi, c'est qu'ils critiquent les gens qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, ils détestent les gens qui donnent de l'importance aux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans leur étude, dans l'apprentissage et dans l'explication et la pratique. De même que parfois ils peuvent demander l'aide à des gouverneurs injustes ou mécréants même, en leur embellissant les choses pour rendre la vie difficile aux gens de la sunna. Contrairement à ceux qui, parmi les gens de la sunna, qui prennent aide chez les gouverneurs justes ou dans la sunna pour interdire l'innovation des innovateurs. C'est différent, car c'est son devoir au gouverneur de faire cela. De même, qu'on voit les gens de la bid'a, de l'innovation et des passions faire beaucoup d'efforts dans l'adoration. Montrer qu'ils sont ascètes, loin de ce bas monde, désintéressés. Alors qu'en réalité, Shaytan ne vient que leur embellir leurs actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà mis en garde contre cela. Il y a des gens qui ont la foi faible qui peuvent être touchés par eux. Ils voient en eux un certain ascétisme. La lecture du Coran, ou la prière la nuit, ou le jeûne. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé des khawarij, des gens de la bid'a, les chiens de l'enfer, qu'est-ce qu'il a dit d'eux? Il a dit aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez mépriser votre prière, votre salat par rapport à leur salat. Les sahabas, comment était leur salat? Ils vont mépriser leur salat par rapport au salat des khawarij. Et votre jeûne par rapport à leur jeûne. Ils lisent le Coran, mais ils ne dépassent pas leur clavicule ou bien leur gosier. C'est-à-dire, ça reste dans la bouche, ça ne touche pas les poitrines, les cœurs. Ils ne comprennent pas. L'imam Abu Uthman al-Sabouni, il a dit, les signes des gens de l'innovation et des passions sont apparents et clairs. Et parmi les signes les plus apparents, c'est qu'ils détestent et qu'ils prennent à partie les gens du hadith et les gens qui transmettent les traditions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils les méprisent et ils les appellent hachawiyya wa jahala wa zahiriyya wa mushabbiha, ignorants, littéralistes ou bien anthropomorphistes. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils font ressembler Allah aux créatures. Quand ils affirment qu'Allah a une main, un visage, qui lui sied, subhanahu wa ta'ala? Rien ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. Rien ne lui est semblable. En croyant que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou que ses traditions, ce n'est pas la science certaine. Et que la science certaine, c'est ce que Shaytan a insufflé à leur raison corrompue. Et ce que leur poitrine assombrie leur ont donné comme idée et insufflation. Voilà ce qu'Allah a maudit. Comme a dit l'imam al-Sabouni, rahimahullah. On va finir avec les signes apparents des gens de la sunna. Premièrement, ils appellent au livre d'Allah. Dans son apprentissage, dans sa compréhension, dans sa lecture, dans sa pratique. Et ils expliquent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par les paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou des tabi'in. Ou bien avec les fondements du tafsir, de l'exégèse du Coran correct. Non pas par l'avis, non pas par les passions, non pas pour défendre un groupe ou un groupe. Aussi, ils appellent à s'attacher à la sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils différencient et ils font la recherche entre ce qui est authentique et faible dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour en prendre que ce qui est sûr et authentique et délaisser ce sur quoi il y a des doutes ou bien mensongers. De même qu'ils sont la certitude et ils croient que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venue expliquer, affirmer, confirmer, détailler le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur la même voie car les deux sont une révélation. De même qu'ils aiment la sunna et ils aiment les gens de la sunna et ils aiment les savants de la sunna et ils défendent leur honneur car ils s'allient pour Allah et ils se désavouent pour Allah et ils aiment pour Allah et ils détestent pour Allah. De même qu'ils sont au juste milieu entre l'insensibilité et l'exagération dans la sensibilité. Comme par exemple les soufis qui sont là à pleurer tout le temps alors qu'ils suivent aucune preuve. Donc les gens de la sunna, ni ils ne sont insensibles, ni ils exagèrent et ils font que leur religion, elle ne suit que les sentiments.
Ils sont juste au milieu. De même, entre la négligence et le dépassement, ils sont juste au milieu. Toujours au juste milieu. Pas le juste milieu que chacun il se fait. Le juste milieu, c'est celui qu'Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont explicité dans le Coran et la Sunna. Parmi les signes évidents et apparents des gens de la Sunna, c'est qu'ils n'exagèrent jamais sur un homme, que ce soit parmi les compagnons ou les grands savants, les grands imams, jamais ils disent qu'ils sont préservés de l'erreur, mais ils prennent d'eux ce qui conforme au Coran et à la Sunna et ils délaissent d'eux les erreurs en suivant les autres paroles des gens de la Sunna. C'est pas eux-mêmes ils choisissent. De même que parmi leurs signes apparents, c'est qu'ils détestent et ils se désavouent des gens de la bid'a, des gens de l'innovation et des passions. Et ils se différencient d'eux. Non pas comme celui qui vient et dit « tout le monde est pareil ». Comme il a dit l'imam al-Awza'i, celui-là, il veut dire que la vérité et le faux sont un. Tout le monde est pareil. Tous les groupes qui sont ici en train de travailler, c'est tous pareil. Non ! Il y a des groupes dans l'égarement, il y a un groupe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné qui est dans la sunna. Il n'y en a pas 15, il y en a un seul. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Ibn Abbas et d'autres, et parmi les tabi'in, et Ayyub al-Sikhtiyani, Ibn Sirin, rahimahumallah, ils ont mis en garde de tendre l'oreille aux gens de l'innovation, même si c'est pour lire un hadith ou lire le Coran. Quand on leur dit pourquoi, ils disent « mon cœur n'est pas dans mes mains, ce n'est pas moi qui dirige mon cœur. J'ai peur qu'ils mettent dans mon cœur une tentation et je ne puisse pas après cela l'évacuer et purifier mon cœur de cette tentation et de cet égarement. » Alors je finirai par un conseil. Serviteur d'Allah, sache reconnaître les gens de la sunna, aime-les pour Allah, reste avec eux, prends ta religion d'eux et délaisse tous les autres. N'écoute personne d'autre pour être sûr d'être sur la bonne voie et de ne pas mettre ta religion en danger, surtout, surtout sur les réseaux sociaux. Tout ignorant aujourd'hui parle, débat, écoute, regarde des vidéos. Après, il est rempli de maladies, il vient nous déverser toutes ces maladies comme du vomi devant nous, il nous dit « débrouille-toi avec ça, essaie de me trouver des réponses ». Non, c'est toi qui t'es rendu malade en ne faisant pas ce qu'il faut. Prends d'abord les conseils qu'Allah t'a donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a donné, et que les salaf t'ont laissé. Bi'idhnillah, tu seras préservé de l'égarement. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous affermisse dans la sunna et qu'il nous éloigne de la bid'a et qu'il guide tous les musulmans au chemin de la vérité et qu'il nous préserve tous de l'égarement. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qul rabbi zidni ilma.